Si je devais résumer mes années Epitech, c'était de super belles rencontres et de super expériences. Je suis Luc Atabis, alumni Epitech Technologies 2022 et je suis actuellement ingénieur chez Virid IT. Aujourd'hui, c'est plus de 300 milliards d'emails qui transitent chaque jour dans des millions de machines qui s'occupent de sécuriser et de transporter ces emails. C'est une petite catastrophe écologique parce qu'en fait, ces serveurs qui transitent ces emails consomment à peu près 100 TWh par an, ce qui représente à peu près 10 usines nucléaires qui tournent à plein régime chaque année. Donc nous, chez Viridity, on propose une solution sous la forme d'un logiciel qui traite les emails plus rapidement, qui est moins énergivore et qui est plus sécurisé que ce qu'on trouve déjà comme solution sur le marché. Alors mon rôle d'ingénieur chez Virid IT, c'est de m'occuper de toute la partie technique de notre solution, c'est-à-dire écrire le cœur du logiciel en entier, faire des tests dessus et automatiser le déploiement de notre solution. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que j'ai des missions qui sont très variées, je touche un peu à tout et les technologies que j'utilise sont très intéressantes et aussi j'ai vraiment l'impression de laisser un impact avec le travail que je laisse derrière. Donc mon meilleur souvenir au sein d'Epitech, c'était Epitech Experience, où j'ai pu pitcher mon projet de fin d'études qui s'appelle Grimoire devant une centaine d'investisseurs, d'intervenants et d'étudiants à Epitech Paris. C'était une expérience qui était super intéressante. J'ai appris vraiment beaucoup de choses sur la manière dont on se présente devant des investisseurs et il y avait une bonne gestion de stress à avoir et c'était super intéressant. Un petit conseil pour les étudiants d'Epitech, quand vous allez être dans le monde professionnel, vous allez toujours travailler en équipe. Il est donc super important que vous sachiez exprimer vos idées, mais que vous écoutiez aussi vos collègues attentivement. En effet, on dit toujours qu'un ingénieur, c'est quelqu'un avec un excellent bagage technique, mais c'est avant tout un excellent communicant. Si je devais résumer mes années Epitech, c'était de super belles rencontres et de super expériences.